Jean-Marc Morandini. Allez, c'est l'heure d'accueillir Willy. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Quel succès. Mais vous semblez malgré tout un peu inquiet aujourd'hui, Willy. Oui, Jean-Marc, j'ai peur. Valérie, vous me faites peur. Depuis 4 ans qu'existe Denko, j'hésite à sortir de chez moi. J'ai trop peur que des amis veuillent me faire une surprise et vous fassent relooker mon appartement. J'ai peur de vous retrouver un jour dans mon couloir avec cette salopette de garagiste de chez Feu Vert qui vous va à ravir, attention, hein. Ça vous moule, c'est très joli, hein. Mais j'ai pas envie de vous entendre un jour dans mon couloir et me dire « Allez Willy, tu triches pas, hein. Tu triches pas, attention. 1, 2, 3. Ah !» Bah qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah non Willy, c'est pas merde, c'est taupe. Oh non. Et attends, t'as pas tout vu, regarde. J'ai découpé des lettres dans du polystyrène et j'ai écrit le mot miam miam dans ta cuisine. Ah oh, mais qu'est-ce que t'as foutu, Valoche? C'est pas ma cuisine, c'est ma chambre. Oui, mais regarde, je t'ai mis un fauteuil du 18e. Ah, 18e siècle? Mais non, 18e arrondissement, il est con, lui, ça vient des puces. Non, mais les gens vous aiment parce que vous faites bonne copine. Vous êtes Valoche, quoi, hein, la petite Valoche. Du coup, on vous excuse vos salons vert pomme et autres cuisines couleur pastis. De toute façon, en tendance déco, vous êtes incollables, contrairement à vos stickers qui, eux, ont l'air de trop bien coller. Jean-Marc, si je vous dis Amstrad, ce nom ne vous dira rien. Rien du tout, je confirme. En revanche, pour Valoche, il évoque le nom d'une table IKEA. Et IKEA, ça l'excite. Birkeland. Ektrop. Karlstad. Vous voyez, je vous le disais, ces noms de meubles suédois réveillent en elle les désirs les plus fous. Coquine, vu le nombre impressionnant de photos forts que vous laissez dans chaque pièce de vos cobayes, vous êtes devenue la sainte patronne des fabricants de bougies qui chaque jour vous bénissent. Oh, sainte Valoche, mets plus de bougeoirs chez tous ces connards. Non mais rien que pour allumer les bougies d'une chambre, le type il doit se prendre une RTT. T'imagines l'organisation dans les foyers. Chérie, commence à éteindre les bougies, je vais me coucher dans 2 heures. Oui mon amour. Putain, le jour où tu tomberas sur un asthmatique, bonjour le bordel. Mais avec vous tout a l'air si simple, Valoche. Moi rien que pour mettre un cadre, j'y réfléchis pendant 2 jours. J'organise des réunions de famille, je fais des plans. Vous à peine arrivez dans un appart. Bon alors là on maroufle, là on pète le mur. Ici on refait le carrelage et pour me chauffer un peu, je vais me couler une bonne dalle de béton. Et hop, elle est dingue. Mais si je vous avais comme copine, j'oserais même pas vous inviter à ma pendaison de crémaillère. Salut Valoche. Bon alors là c'est l'entrée. Mal gaulé. Ici c'est le salon. Mal agencé. Et là c'est la chambre. Mal rangée. Merci Valoche. Du champagne? Oh bah non merci, tes flûtes c'est de la merde. Tu aurais dû les acheter chez Jiffy. Et chez Jiffy, les 6 coupes sont à prix coupé. C'est Kiki qui a de belles flûtes à champagne pas chères. C'est Jiffy. Jiffy, des idées de génie. Bon bah, merci Valoche. On passe à table alors? Ah bah ça dépend, c'est une table Hygéna. Chez Hygéna, la table pour 6 personnes est à un prix fou pour être sûr de rester de son assiette. Ouais. Merci Valoche. Oh putain, j'ose plus rien lui dire, dis donc. Allez Valoche, je vous laisse tranquille. Je sais que depuis tout à l'heure, vous vous dites que ce studio en couleur fuchsia, il aura quand même plus de gueule. Quant à moi, je découpe des lettres dans du polystyrène que je collerai ici avec écrit dessus. À vendredi. Merci beaucoup, Willy, en direct avec nous.